Donc dans cette vidéo, on va commencer à voir comment on fait pour envoyer des images sur le back-end. C'est-à-dire que ici, là, donc là j'ai mon modèle, j'ai mon fiche user. Donc pour le moment je n'ai pas rajouté un champ image. Mais l'idée c'est quoi C'est que l'utilisateur sur le front-end il met son nom, son prénom et il va vouloir rajouter une image. Donc cette image il va falloir l'envoyer sur la web API. Donc c'est pour ça que j'ai créé un dossier image. Mais il va falloir que l'image aille ici, que l'URL se remplisse. Donc ça c'est une chose et après euh, bien sûr il faudra que je teste tout ça avec euh, Postman. Donc euh, pour faire des requêtes classiques c'est facile, on va sur le body, le raw, donc c'est vraiment simple. Par contre dès qu'on va vouloir envoyer des images, là c'est plus la même musique, tout ça là ça ne marchera pas, il faudra passer par le form data. Et le form data, donc c'est pour euh, pouvoir envoyer des images par le biais d'une requête, donc par le biais du http, et bien quand tu l'as jamais fait c'est compliqué. C'est pour ça aussi que si je fais une vidéo, parce qu'on va voir que quand on sait, c'est pas dur. C'est pas spécialement dur, mais quand on sait pas, c'est l'enfer. Donc déjà, la première chose à faire, il faut faire le, le moteur qui va traiter l'image. Et pour ça, il va falloir utiliser un package NPM qui s'appelle MULTER. Donc ça va être pour gérer les requêtes HTTP avec envoi de fichiers. Donc ici, le type de fichiers qui m'intéresse, ce sont des images. Donc image, jpeg, gif, png. Donc là, la première chose que je peux faire déjà, c'est ça. C'est préparer le middleware MULTER.js. Voilà, donc là je vais mettre mon premier commentaire pour dire à quoi sert ce fichier là. Donc Multer pour gérer les requêtes HTTP avec envoi de fichiers. CTRL S, voilà. Donc là euh, je vais couper le serveur parce que ça sert à rien que je laisse marcher. Je fais un CTRL C parce qu'il va falloir que j'installe le package. Donc tu vas sur NPM et tu écris Multer. Donc il est très connu ce package. Donc Middleware for Handling Multipart Form Data. Donc on voit qu'il a été téléchargé euh, 1 500 000 fois. ces 7 derniers jours. En tout cas, de manière hebdomadaire. Weekly. Donc, c'est quoi MULTER Qu'est-ce qu'ils en disent Donc, MULTER est un middleware Node.js pour la gestion de multipart form data. Qui est principalement utilisé pour télécharger des fichiers. Il est écrit sur le BUSBOY pour une efficacité maximale. Donc, je ne sais pas ce que c'est le BUSBOY. Donc là, ça m'amène sur GitHub. Euh, Node.js module for... Alors, un module Node.js pour analyser les données de formulaire HTML en 30. Oh, ok. Donc là, on a une petite note. Multer ne traitera aucun formulaire qui n'est pas multipart. Form data. Donc ça veut dire que c'est comme ça que je le comprends. Si tu fais un body, un row dans ta requête, ça ne marchera pas. Donc ça, le body, tu l'as toujours, mais il va falloir utiliser le form data. Donc ça, c'est important à voir. Donc usage. Multer ajoute un objet. Donc là, ils ont traduit corps, mais c'est body. C'est un terme technique, on ne traduit pas euh, le body. Donc Multer ajoute un objet body et un objet fichier donc ça on peut le traduire ou fichier à l'objet de requête ok l'objet body contient les valeurs des champs de texte du formulaire l'objet file ou euh, fichier contient les fichiers téléchargés via le formulaire ouais donc forget et eh oui ça il le marque bien hein, il le précise plein de fois ça c'est sur le front n'oubliez pas le un type multipart form data sinon ça ne marchera pas d'ailleurs on fera des tests et si on ne le met pas ça ne marche pas donc là il importe express bon ça, ça c'est déjà fait donc là il importe multer donc là on voit que c'est du vieux code hein, parce que l'utilisation de var devant une, devant une variable ça se fait plus depuis 2016 donc ça peut été mis à jour depuis un moment ce truc donc là on peut voir ça ok là on peut voir l'API donc euh, les keys original name ça ça va être utilisé donc c'est pour le nom du fichier sur l'ordinateur de l'utilisateur ok le DIC Storage, c'est pour accéder à son disque dur, quoi, au disque dur du serveur. Donc là, qu'est-ce qu'il y a écrit là Donc Multer accepte un objet option dont le plus élémentaire est la propriété, destination, qui indique à Multer où télécharger les fichiers. Si vous omettez l'objet d'option, les fichiers seront conservés en mémoire et ne seront jamais écrits sur le disque. Donc ça c'est important. Par défaut, Multer renomme les fichiers afin d'éviter les conflits de noms. La fonction de renommage peut être personnalisée selon vos besoins. Donc ça c'est hyper important parce que sur le serveur, si quelqu'un télécharge une image bateau et si une autre personne télécharge une image qui a le même nom, au niveau du serveur il peut y avoir un conflit. Ça veut dire que toutes les images doivent avoir un nom unique. Et un moyen pour mettre un nom unique sur une image, c'est de rajouter le temps. Le timestamp, donc ça on le verra bientôt. Donc le disk storage, c'est par ça que je vais commencer. Le moteur de stockage sur disque vous donne un contrôle total sur le stockage des fichiers sur disque. Ok. Donc euh, comme on est sur la partie backend serveur, on a accès au disque dur du serveur. Ça veut dire qu'on a accès aux dossiers et ça veut dire qu'on peut les supprimer. Donc là, lorsqu'on commence à écrire du code là-dessus, il faut faire très attention parce que si on fait une fausse manip, on peut supprimer euh, tous les dossiers de son disque dur. Vu que là je travaille en local sur mon PC, donc dès qu'on va utiliser les fonctions de suppression, va falloir faire extrêmement attention à ce que l'on met bah, dans le code, parce que là le but, ça va être dans ce fichier image de mettre les images que l'utilisateur va vouloir mettre, par exemple, sur son profil, fichier user. Mais si la personne supprime son profil, il va falloir que l'image soit aussi supprimée. C'est ça le truc. Donc dès qu'on fait de la suppression, va falloir faire très attention. Ça je préfère le préciser. Donc là je descends, on voit qu'il y a pas mal de choses. Hein. Voilà. Donc moi je fais un truc euh, basique, hein. je fais un truc de débutant, ok. Donc au niveau du code, je reviens ici, multer, ok. Bon, donc là il faut faire, bah déjà il faut faire euh, l'installation de multer. Donc euh, je vais me mettre sur le package.json. Voilà, donc npm install-save multer. Et donc là, je suis en train de le télécharger et ça va s'afficher ici au niveau de la dépendance. Voilà, là j'ai multer. Donc là je commence à avoir pas mal de dépendances. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 dépendances. Euh... Donc il me faut 10 dépendances pour faire tourner la web API pour le moment. Sachant que ça c'est pas obligatoire. Et il en manque encore quelques-unes. Par exemple au niveau de la sécurité sur les protections euh, des injections SQL, ce genre de choses. Il y a des packages pour ça comme Helmet que j'ai pas encore installé. Mais après il y a la sécurité à gérer. Mais bon ça on le verra peut-être plus tard. Donc là j'ai installé le package. Multer, donc maintenant bah, il faut l'importer. Importation de Multer. Donc là je vais marquer const, Multer égale require. Donc c'est toujours la même chose. Hein, et Multer. Donc là je suis sûr que tu te poses une question fondamentale. Qu'est-ce qu'il y a dans la variable Multer Donc je vais faire un console log, Multer. Là je précise pas, je fais un CTRL S. Là je me mets ici, là je fais node, parce que là je vais exécuter le fichier. Donc je fais node, middleware et c'est Multer. Multer.js, et je fais entrée. Donc voilà ce qu'il y a dans la variable multer. Donc il y a des fonctions. Dix Storage, Memory Storage et Multererror. Voilà, ça je le supprime. Donc après bah, je vais le faire maintenant, même si je ne vais pas complètement le remplir. Donc après il faut jamais oublier qu'il faut faire l'exportation du module. Donc du middleware ici, là. Pour qu'il soit utilisable ailleurs dans le programme. Donc module.export égale multer. Et après il va falloir y mettre des petites options à l'intérieur. Donc ça on le verra après. Voilà. Donc, la première chose à faire, ça va être de s'occuper du storage. Donc, euh, ça va être pour euh, la destination du fichier. Mais bien sûr, parce que lorsque le fond va envoyer dans sa requête le fichier, image, donc il va falloir savoir où le mettre sur le serveur. Donc, la destination du fichier, donc euh, j'ai envie de dire le répertoire. Et comme j'ai dit, quelque chose de très important, d'ailleurs ils en parlent, est générer un nom de fichier unique. Voilà, comme ça même si la personne envoie un fichier qui s'appelle bateau, si une autre personne envoie un fichier qui s'appelle bateau, et eh bien on va modifier les noms pour que le fichier soit unique comme ça sur le dossier image. L'URL qui aura l'inscrit sur la base de données, donc par rapport à l'image que la personne a mis sur son profil, et eh bien l'URL sera unique. Quoi, le nom du fichier sera unique donc l'URL sera unique pour cette personne là. C'est pour ça qu'il faut faire un nom unique. Donc const storage donc là on le voit, je suis ici, hein, sauf que comme je l'ai dit, c'est un vieux truc, ça n'a pas été mis à jour ça, ça s'est passé ça. Donc euh, Multer, Multer il est ici, dedans il y a les fonctions comme on l'a vu là dans le console log. Et là après on utilise la méthode storage. ça s'affiche. Donc là on a un petit texte en anglais là. Voilà, et après je mets les accolades. Donc dedans la première chose c'est euh, la destination. Donc je vais faire slash slash la destination de stockage du fichier. Donc où on va mettre le fichier. Donc, on marque destination, là, comme ça. Donc, ça, c'est une clé. Et après, dedans, il met une fonction. Donc, là, il marque fonction, mais on n'est pas obligé de le mettre. Hein. Comme j'ai dit, ça, c'est ça c'est vieux, ça. C'est avant 2016, ça. Donc, rec, file, et le CB, c'est pas carte bleue, hein, c'est callback. Voilà, après, fonction fléchée. D'ailleurs, on le voit, la fonction fléchée, ils ne l'ont pas mise parce que ça n'existait pas à l'époque. Et les accolades. Voilà. Là, j'ai une fonction. Donc, cette écriture-là, ça date de l'ES6, euh, donc après 2016. Donc, après, je marque callback. Donc après, c'est ça quoi. Après, je peux l'appeler ABC comme on veut, mais bon, callback. Donc là, nul. Donc après, c'est comme ça qu'ils écrivent. Après, il faut, faut gratter pour savoir exactement ce qu'ils entendent sur le fait de mettre un nul dans le callback. Et après, le nom du dossier image. Donc moi, je suis à la racine du serveur. On le voit là, mon dossier image, il est ici, il est à la racine. Ça, c'est la racine. Là, je suis ici. Donc ça va aller ici. Donc ça, c'est bon. Point, virgule. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, comme mon serveur est arrêté, parce que après, pour contrôler tout ça, il va falloir que je modifie ma route put, parce que là, ça peut pas marcher comme ça, parce qu'actuellement, ma route put dans le contrôleur, elle est juste faite pour envoyer euh, des keys et des values, mais pas de fichiers image Donc, euh, pour le moment, je fais le moteur. Et après, il faut que je modifie les bah, toutes les routes dont la route put. Quand je dis la route put, c'est la route put et la route poste bien sûr. Hein. C'est avec la poste que l'on va créer. Euh de Nouveaux objets dans la base de données, donc après, donc la destination c'est bon, bah, c'est bon. Là, je mets une virgule, et après, il faut que je mette là le fait name, le nom fait name. Donc, c'est deux points la request, la réponse. Donc, non, c'est pas la réponse. Hein. On est dans un truc plutôt spécialisé. Là, c'est pas la réponse, c'est le file, le fichier qui sera envoyé. Et donc, là, toujours y mettre callback fonction fichier. Voilà. Donc, là, j'ai fait comme ici la request file callback. Donc, déjà, le but. Euh ça c'est très conseillé de le faire c'est de supprimer les espaces parce que lorsque l'on envoie un fichier avec un espace dans le nom du fichier ben après ça va mettre des underscores, pourcentage quoi ça met, un, ça met un truc bizarre et ça ça peut créer un problème au niveau du backend donc la première chose à faire c'est supprimer les espaces dans le nom du fichier donc ça il faudrait que je le taille si ça marche bien donc je fais const name donc là je vais utiliser file donc après on a les trucs là sur l'API là on a les différents noms là comme le alors c'est pas ici le original name, donc là je prends le nom original du fichier qui a été envoyé. Après, on utilise la méthode split que l'on a vu avec le token pour enlever le barrier du numéro du token pour pouvoir le décoder. Donc là, je vais couper au niveau de l'espace s'il y a un espace. Donc là, j'ai rajouté un espace et après, il faut joindre tout ça. Et pour que ça soit lisible, on va mettre un underscore. Voilà. Donc théoriquement, si tu as un nom de fichier qu'un espace, ça va virer l'espace et à la place, ça va y mettre un underscore. Donc ça, on le verra quand je ferai les tests. Et après, il faut rajouter l'extension fichier car ce n'est pas automatique, ça se fait manuellement. Et pour ça, on va utiliser le même type qu'il y a dans le fichier. Parce que dans tous les fichiers, il y a différentes informations dedans. Dans le même type, donc on va voir ce que c'est après. Voilà, donc ça marche comment. Donc, ça, il faut que je le fasse. C'est une collection que je dois faire. Mais l'idée, c'est que dans la collection que je vais faire, là, il faut que je récupère donc euh, le nom du fichier et que j'y rajoute son MIME type. Voilà, CTRL S. Le MIME type, c'est quoi ben, On va sur le MDN. Hein. Euh, le MIME type, c'est le type Multipurpose Internet Mail Extension. Type Multipurpose Internet Mail Extensions. Type MIME est un standard permettant d'indiquer la nature et le format d'un document. Il est défini au sein de OK et l'organisme officiel en l'occurrence. Les navigateurs utilisent le plus souvent le type MIME et non l'extension d'un fichier pour déterminer la façon dont ils vont traiter ou afficher un document. Il est donc important que les serveurs puissent correctement attacher le type MIME dans l'entête de renvoi. Structure générale. La structure d'un type MIME est simple. Elle est composée d'un type et d'un sous-type. Les deux chaînes de caractères sont séparées par un slash. Les caractères d'espacement ne sont pas autorisés. Le type représente la catégorie et peut être particulier ou composé lorsqu'il regroupe plusieurs formats. Le sous-type est spécifique à chaque type. Un type mime est insensible à la case, mais il s'écrit usuellement en minuscule. Donc voilà quoi ça ressemble. Là on voit clairement. Là. Euh, donc il y a plusieurs trucs. Donc là ce qui va nous intéresser, ça va être la liste des types mime communs. Donc moi ce que je vais utiliser là, comme c'est des photos là, je vais utiliser le, le gif. Donc le mime type ça sera image/gif. slash Là on le voit là, type mime, type de document, l'extension. Donc, après le GIF, eh bien, il va y avoir le JPEG. Donc, là, on a deux JPEG. Donc, on a le nouveau et le vieux. Donc, le JPG et le JPEG. Donc, c'est image slash JPEG. Et après, on va avoir le PNG. Voilà. Donc, c'est image slash PNG. Donc, après, il y a des nouveaux formats d'image, mais ça, je ne vais pas l'utiliser. On va rester sur du basique. Donc, ça, il faut que je fasse la collection. Mais avant de faire la collection, je vais finir le truc là. là il faut faire le callback. Donc, c'est là où on va recréer le nom du fichier. Donc, ça va être callback. Donc, voilà, donc ce callback là, ce qui va être ici, ça va être là. Donc, ça va être nul. Donc, ça commence par nul. On le voit à chaque fois. Après, c'est le file, file name. Donc, c'est le nom, le nom de domaine. Donc, moi, je vais utiliser donc le nom, name. Donc, le nom qui est ici là, on le voit bien, le name. Donc, là, je vais faire une concaténation. Plus, je vais rajouter un underscore. Et là, je vais rajouter un plus pour ajouter. Ce qui va permettre de faire que le fichier soit unique, c'est le timestamp. Donc, that.now. Donc, on va voir ce que c'est le timestamp. Et après, je vais rajouter l'extension. Donc, là, pour le moment, ce que je fais, ça ne peut pas marcher parce que je n'ai pas fait la collection pour faire la sélection des mine Type. Voilà. Donc, déjà, la première chose que je vais montrer, c'est quoi le timestamp Donc, là, je vais lancer Note pour utiliser le moteur JavaScript de Node.js. Là, j'ai lancé Note. Donc si tu marques un console log et dedans tu marques l'objet date.now donc ça c'est un objet natif javascript. Voilà et si tu cliques sur entrée, tu as ce chiffre là. Donc ce chiffre là, c'est des millisecondes. Donc tu auras ton nom du fichier, tu auras ce chiffre là plus l'extension du fichier, ce qui fait que ton fichier bateau, eh bien à cause de ce chiffre là, il sera unique. Il faut vraiment pas avoir de bol pour avoir deux fichiers identiques parce que là ça se joue à la milliseconde. Donc ce chiffre là, c'est le nombre de millisecondes qui se sont passées depuis 1970. Donc ça fait 3 6 donc là on passe la barre du million. Là on arrive sur le milliard. Donc là on est à 1610 milliards de millisecondes en gros. Donc si tu vas sur le MDN date now, donc c'est un objet global date donc de JavaScript. La méthode date.now renvoie le nombre de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Voilà. Alors pourquoi 1970 Le début de l'informatique moderne, probablement. Donc là, on a la syntaxe, là, on a la description. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça que manipuler date en JavaScript, c'est pas facile, parce que l'objet date.now donne que 10 millisecondes. Donc euh, si on veut faire euh, des trucs spécifiques, eh bien, il va falloir tout gérer avec des millisecondes. Bon. Donc ça c'est bon, là on est presque bon. Donc ça c'est pas bon encore. Donc avant de faire ça, il faut faire la collection des mime types. Donc je suis ici, je vais le faire là. Donc euh, on appelle ça un dictionnaire. Le dictionnaire, je vais appeler ça le dictionnaire des mime types. Donc il faut créer une variable constante que je vais appeler donc euh, mime types égale et dedans je mets un objet là. Hop. Donc on avait vu que c'était euh, image jpg. C'en était un. Donc, lorsque le fichier qui sera lu donc par le middleware multer verra euh, dans le fichier, donc, image jpg, eh bien, il mettra comme extension ou fichier JPG. C'est ça que ça veut dire, .jpg. Donc, là, je continue. Là, je fais un CTRL-C, euh, je vire le point virgule, je mets le virgule CTRL-V. Donc, pareil, si c'est un JPEG, s'il est un JPEG, il mettra l'extension JPG. Voilà. Donc, après, ça va être la même chose pour le, le GIF. Donc image, après il faut que je le teste. Hein. Donc s'il si dit ça dans le fichier image, image slash gif, et eh bien l'extension ça sera gif. Et là je vais faire la même chose pour le PNG, image slash PNG. Voilà. Donc là attention, là, là ce que je fais pour le moment, c'est juste la possibilité d'envoyer des images donc, sur le serveur. Mais je ne contrôle pas, et ça il faudra le faire, la taille de l'image, parce que la personne peut envoyer une image de 50 mégaoctets si elle veut. Alors probablement que ça passera pas parce que ça prendra trop de temps. Mais il faut aussi, euh, d'ailleurs on le voit là, lorsque j'utilise des, euh, des forums ou des réseaux sociaux, les images sont soit compressées et redimensionnées, ou carrément, il y a une limite d'image. C'est-à-dire que si le fichier image fait plus de 2 mégaoctets, le fichier est refusé. Donc là, actuellement, ce type de contrôle-là ne sera pas implémenté. Ça, ce sont des fonctions qu'il faudra rajouter plus tard. Donc là, j'ai ma collection, point-virgule, contrôle-S. Le même taille, ben, suivant euh, ce qu'il y a dans le fichier. Mais après, il fera son choix parce que là si je fais un console log de ça ça va afficher un Gison d'ailleurs je peux le faire là je fais ctrl C ctrl c pour sortir de node quoi du moteur javascript qui a dans node et je fais par exemple alors d'abord je vais faire un console log console.log de même types ctrl C ctrl v point virgule et là je fais node voilà middleware multi js envoyé j'ai pas fait sauvegarder je refais la même chose envoyer map define. Voilà, parce que j'ai fait une forte d'orthographe. C'est sensible à la case bien sûr. CTRL S. D'ailleurs on le voit là, le TIMES. On voit ce qu'il y a dedans. Ok. Donc moi je vais faire mon test quand même. Voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. Un objet au format disons. Ok. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il n'y a plus qu'à exporter le middleware. Donc ça je le vire. Et donc pour faire l'exportation, donc là c'est un peu particulier. Donc dedans je dois mettre entre tracolade le storage qui est ici. Tout ce qu'il y a dans le storage qui est ici, là. CTRL V. Et après il faut préciser donc la méthode single qui dit que je veux envoyer qu'un seul fichier parce que c'est vrai qu'avec les fichiers on peut en mettre plusieurs. Je veux dire par là qu'on peut envoyer plusieurs fichiers et donc ça sera une image. Voilà, donc que dire de plus Je fais un CTRL S. Là j'ai bien envie de voir vite fait là, un petit console log du storage, voir un petit peu euh, comment ça se présente, malgré que là pour le moment je n'ai pas de fichier. CTRL S, donc là je fais node middleware entrée. Ouais donc là il y a ça parce que il ben, n'y a pas de fichier pour le moment à l'intérieur. Donc mes console logs je vais les préparer je vais les laisser là pour plus tard. Voilà. Donc là on a vu donc le middleware multer en tout cas sa configuration on est ici. Et donc dans la prochaine vidéo il va falloir que je prépare les routes, il va falloir que je les modifie et aussi que je modifie le modèle switch user. Pour qu'il puisse recevoir l'URL de la photo qui sera enregistrée dans la base de données. La suite dans le prochain épisode.